pupitre. Je remplis mon inscription à l'université, là, et on me demande de me décrire dans un essai. Tu dois te vendre, surtout. Y a rien de pire. Tu dirais quoi à ma place ? Attends, je te montre. Salut, Peter Parker. J'ai 25 ans, je suis titulaire d'une licence en biophysique. Et ma copine est la femme la plus géniale du monde. Tu te la pètes. C'est aussi la meilleure journaliste de la ville. C'est clair. Vive MJ. J'essaie de me montrer à la hauteur de l'autre femme la plus géniale du monde, ma tante May. Tu te la pètes encore, pas mal. Et il y a longtemps, je me suis fait mordre par une araignée radioactive qui m'a donné des super-pouvoirs. Je peux pas mettre ça dans mon essai. Attends, je tire juste le fil sans faire le tri. J'ai utilisé mes pouvoirs pour aider la ville et arrêter un tas de gens qui lui voulaient du mal. Comme mon mentor, le docteur Otto Octavius. Otto voulait se venger de son ancien collègue, Norman Osborn, en libérant une arme biologique sur la ville. J'ai fini par réussir à arrêter Otto, même au prix d'un lourd sacrifice. C'était pas mal du tout. Mais je suis pas Peter Parker. Exactement. Tu es Miles Morales. Tu as 17 ans, tu es élève au lycée Brooklyn Visions. Quoi d'autre ? Je dirais que... je donne quelques coups de main à ma mère qui travaille à Harlem. C'est la conseillère Rio Morales. Et... il y a une fille que j'aime bien. Elle est impressionnante et inspirante. Et je pense que c'est une des meilleures artistes de la ville. Et... aussi... j'ai été mordu par une araignée radioactive qui m'a donné des super-pouvoirs. J'ai été formé par le Spider-Man d'origine. Mais c'est mon père qui m'a appris à être un héros. Il s'est fait tuer dans l'attentat de l'hôtel de ville. Par Martin Lee. En faisant le bien autour de moi, je perpétue l'héritage de mon père. Mais c'est dur. Même avec des super-pouvoirs, on ne peut pas toujours sauver ceux qu'on aime. Malgré tous nos efforts. Mais un héros n'abandonne jamais. Et c'est pas mon genre. Oh, je sais pas trop. Je peux pas parler de moi sans parler de Spider-Man. Mais si, tu peux. Il suffit de... Ouais, vas-y, reprends ton brouillon depuis...